let me go. Don't tell me you don't know. Someday, some fine day, will you let me care for you? Why make me wait until tomorrow? Set me free, now let me stand or fall. Don't tell me you don't know. 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 C'est une grande joie pour nous de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre rendez-vous derrière le masque. Et le numéro d'aujourd'hui répond à vos emails. Vous avez demandé à ce que nous puissions recevoir pour vous aujourd'hui le prophète Joël Francis Tatou, à qui nous disons directement bonjour. Bonjour Madame Nicole. Comment s'est présentée vos journées, prophète, avant l'invention de Facebook? Waouh, nous sommes derrière les masques, évidemment. Vous savez, les journées en général se répartissent en trois parties. Nous avons 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures dans diverses autres occupations. Et comme tout être humain, mes journées se représentaient comme telles. Et puisque je suis serviteur de Dieu et appelé au ministère à temps plein, mes journées étaient réparties comme telles. Et le temps du travail et même souvent le temps dans les divers était totalement plongé dans l'exercice de mon ministère pour véhiculer le message que le Seigneur m'a donné du réveil du temps de la fin à l'église. Et jusqu'à ce que je rencontre Facebook et que commence une longue histoire avec Facebook, j'ai trouvé dans ce réseau social un moyen pour moi de pouvoir véhiculer la bonne nouvelle de Jésus-Christ sans pour autant arriver à l'aéroport d'Ngili. Comment interprétez-vous ce verset biblique qui dit, et je cite, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse ». Ce verset, comme certains le savent déjà, c'est un verset qui est une interpellation pour la jeunesse. Le Seigneur, d'un côté, permet aux jeunes de s'exprimer pendant cette période de la vie, de jouir de la vie comme étant un don venant de lui. L'Ecclésiaste dit, quelque part d'ailleurs, il dit de se réjouir de la vie avec la femme de sa jeunesse, de jouir de son travail, car c'est un don de Dieu, de faire tout ce qu'on a entre les mains de faire, car c'est Dieu qui nous en donne la force. Bref, l'Ecclésiaste encourage l'homme à pouvoir vivre et à jouir de la vie qui est un don de Dieu, aux jeunes précisément dans ce verset, car c'est un don de Dieu, mais de ne pas oublier de mélanger l'utile à l'agréable, de jouir de sa jeunesse avec une grande conscience du fait que ce n'est que pour un temps, mais que les temps arriveront où nous rendrons des comptes devant Dieu. Donc c'est comme ça que j'interprète un peu ce verset. Comment êtes-vous devenu chrétien ? Comment suis-je devenu chrétien? Je suis devenu chrétien, je crois, après avoir été bombardé, je le dirais, avec des prières de plusieurs personnes. Je sais que l'Église Corps du Christ priait pour la grande moisson et pour des âmes qui devraient se convertir. Je crois qu'il y a des gens qui ont prié, même que je ne connais pas. Mais néanmoins, une prière a su faire la différence. Deux d'ailleurs, la prière de ma grand-mère qui a eu à prier pour la conversion de ma mère ainsi que la conversion de tous ses enfants. Et ma mère qui s'est convertie, qui a aussi prié pour ma conversion. Donc je crois qu'avant même le fait que j'ai entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans une cellule de prière de notre église à Minzhausen, pendant laquelle un frère a prêché la bonne nouvelle, j'ai fondu en larmes, j'ai ouvert mon cœur, j'ai donné ma vie à Jésus. Je crois que tout n'a pas commencé par là, parce que là c'est tout le monde qui peut en parler, mais je crois que c'est plutôt en amont les prières d'une femme. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Je suis devenu chrétien, je le crois, à cause de la prière qu'une vieille femme adressée à Dieu pour notre conversion. Et quels sont les critères selon vous pour devenir prophète? Les critères selon moi, bon, selon moi déjà, je ne pense pas qu'il y ait des critères. Mmh. Ces critères, il y en a. Alors, la seule critère pour devenir prophète, c'est être juste touché par la grâce de Dieu. Nous avons récolté quelques images qui retracent un peu votre biographie. Et c'est avec la grande complicité des MAPRE et je vous invite à les suivre. Qui est Joël Francis Tatou, fils de M. René Tatou Longwa Kabolé et de Mme Béatrice Ekanga Niewa. Le prophète Joël Francis Tatou est né à Bonn, en Allemagne,
et fait partie d'une famille nombreuse. Il est né de nouveau à Kinshasa au mois d'août de l'année 1996 dans le ministère du couple Marcel et Charlotte Bopeya, dans lequel il a continué à grandir spirituellement et d'où il a eu appel au ministère 2 ans plus tard par une parole prophétique dite à son sujet par un apôtre de nationalité française, Monsieur Freddy Descostel. De retour sur notre plateau de Derrière le masque, prophète, après ces images, j'aimerais que vous puissiez un peu nous expliquer qu'est-ce qui était difficile pour vous au début de votre vie chrétienne. Merci beaucoup. Ma plus grande difficulté dans ma vie chrétienne, si je me souviens bien, c'était le fait que, à part que j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai avancé pendant quelques mois dans une grande crise d'identité. Vous le savez aussi bien que moi que sous la terre, il y a, comme a dit un homme, il y a 2 jours qui sont les jours les plus importants de la vie de l'être humain sous la terre. Numéro 1, c'est le jour où il est né. Numéro 2, c'est le jour où il découvre pourquoi est-ce qu'il est né. Ma plus grande difficulté, j'étais né de nouveau, mais je ne savais pas exactement pourquoi le Seigneur m'avait sauvé. Je ne pense pas que c'était uniquement pour aller au ciel, mais je voulais découvrir ma vraie identité, ce pourquoi j'étais encore ici-bas sur la terre après avoir reçu Christ et n'avoir pas été enlevé au ciel. Et c'est après plusieurs prières, après plusieurs retraites, que le Seigneur m'a fait grâce, comme nous l'avons suivi tout à l'heure dans le DVD, dans les images, que lors d'une croisade au Stade des Martyrs, un homme de Dieu, un fils spirituel de l'apôtre Claudio Fraison, qui est un grand évangéliste de l'Amérique du Sud, l'un de ses fils spirituels, est venu lors de cette croisade et pendant qu'il prêchait la parole et priait pour les malades, j'étais malade ce jour-là et en m'avançant pour la prière de la guérison, il m'a pointé du doigt dans une grande foule au Stade des Martyrs en 98 et il m'a pointé du doigt, il m'a dit « Le Seigneur me dit, jeune homme, que tu es appelé à un ministère de puissance, tu vas sillonner le monde entier avec la parole et la puissance de Dieu. » Et je suis tombé ce jour-là sous l'onction. C'est le jour où j'ai reçu l'appel au ministère et l'onction du Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'il y a eu avant déjà ça quelques flashs que Dieu me donnait pour savoir ce à quoi je t'ai appelé. Mais c'est ce jour-là vraiment que j'ai découvert ce à quoi je t'ai appelé et que j'ai pu transcender cette difficulté qui était une grande crise d'identité. Comment a été la transition du frère Joël au prophète Joël Francis? Vous savez, dans chaque Gédéon peureux sommeille un vaillant héros. Dans chaque orpheline Esther sommeille une reine Esther. Dans chaque Simon sommeille un Pierre. Et dans chaque chenille sommeille un papillon. Et je crois que le prophète Joël Francis sommeille dans Joël Francis, qui était un bon frère, très zélé au niveau de l'Église, qui était très utile. Je travaille dans tout dans l'Église. J'étais dans la modération, berger, dans la prédication, la chorale, l'intercession. Dans ce frère que l'on veut à l'Église sommeille, le prophète Joël Francis. Prophète Joël Francis, vous êtes un prédicateur, mais vous chantez aussi très bien. Alors j'ai une question pour vous liée à la musique congolaise. Comment jugez-vous la musique congolaise chrétienne? Bien. Bon, en général, j'ai un petit défaut. La musique congolaise chrétienne, je la consomme beaucoup plus au niveau de l'église et dans nos milieux ecclésiastiques ici. À la maison, je suis plus un peu tenté à écouter la musique américaine chrétienne. Je ne fais point de discrimination parce que Dieu n'a rien à voir avec le fait que ce soit congolais ou américain. Mais en tant que congolais aussi, je dirais que je crois qu'il y a plusieurs qui ont su avancer en alignement avec les desseins de Dieu pour répondre vraiment à un grand besoin au sujet de la musique chrétienne et des besoins qu'il y a dans cette société. Je crois plutôt même que la majorité devrait un peu faire quelques efforts. Je juge la musique congolaise chrétienne comme ayant été un peu plus influencé par ce qui est à la mode. Aujourd'hui, les musiciens chrétiens congolais ont l'impression que pour faire vendre, pour faire intéressant, pour faire interpréter dans les églises, il faut uniquement chanter des cantiques qui vont faire appeler aux gens leurs problèmes, leur situation, leurs souffrances, leurs peines. Et il paraît que les Congolais aiment ça. Lorsqu'on vous dit « Seigneur, Nasus Diokapa, si je souffre », alors là, vous allez avoir des gens qui vont interpréter ça dans les églises. Mais lorsque ce sont des cantiques d'adoration, permettez-moi de le citer, à la Gaël, adorons l'Éternel, à la Fankoumla, je ne sais pas beaucoup de gens qui aiment consommer cela. Et je crois qu'un grand nombre de gens ont compris, mais qu'un plus grand nombre de musiciens chrétiens devraient essayer un peu de s'ajuster par rapport à ça. Et du reste, on les appelle dans les cultes les animateurs. À l'animation, vous aurez le frère Intel. Je crois qu'on doit essayer d'améliorer ça pour redonner la place du sacré à ce ministère-là d'adorateurs et de musiciens. Il nous reste une question avant de commencer notre deuxième rubrique, le témoin. Une toute
petite question. C'est quand la dernière fois vous vous êtes regardé au miroir? Ce matin. Ça s'est passé comment? Ce matin, lorsque je voulais sortir de la maison, je me suis regardé en face. Et je pense que j'ai fait « waouh ». J'ai dit un peu comme le psalmiste, « Je bénis Dieu d'être une aussi belle créature ». Nous allons regarder maintenant des personnes qui ont accepté de... J'aimerais bien voir ça. De faire les témoignages concernant le prophète Joel Francis. Merci. Bon, prophète Joel Francis, Tatou. Azali mona nanga ya misatu. Aza mosale ya Nzambe. Juste obenga ka wa prophète. Bon, prophète Joel Francis Tatou akoli mwana lokola mwana nyonso. Azali ki un peu timide, un peu réservé. Akoli nga batu mingi, bana bo mwana na ye vraiment azali ki attaché na ba camarade na ye. Donc ko salisa baninga, ko sunga baninga. Donc, na souvenir, na ébité que ce que ça soit na kobundata na mutu na ndimité. Donc, bizaleline vraiment zali bizalele ya malamu ya kolinga batu ya kolinga baninga bandeko nyoso na kata ndako vraiment qui est un peu différent na bana mususu. Bon, li solone na robe tapine belé pe na mingité. Mais na ébité tout grandir ensemble. Tozaki tout le temps, mais biso pe to ébité ka oza prophète hein. Mais si je suis un prophète, je suis un prophète. Dernièrement, je suis un délivrance. Ça date déjà. Il y a un peu de doute. Je suis vérifié que oui, ça va. En tout cas, je suis bien. Je suis dans le quartier. Je suis dans le quartier. Donc, ça date. Donc, en grosso modo, nous avons un rôle de baraque. Il y a des gens qui ont la puissance dans le quartier, tu peux découvrir. Donc, à décourager, tu as un courage. Conseil européen, c'est que tu as un dimanche, tu as une résidence. Résidence privée, c'est qu'il y a un botamaki. Ça lui fait plaisir et ça va bien. Pour que tu as un transport, tu as un Rolanda. Si vous avez une idée, vous avez une séance. Tout ça est quartier, tout ça est dans l'avenir. Je suis dans l'avenir. Bon, le seul conseil que j'ai, c'est comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Bon, souvent, il doit savoir que nous aussi, ce frère du quartier, nous avons besoin de lui. Des fois, il faut qu'il passe, qu'on se voit, parce que nous aussi, on a des conseils à lui donner en face. Que dire du prophète Joel Francis Tatou? Je me suis converti en 1998. J'ai fait beaucoup de pas dans le Seigneur et jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre un homme formidable, qui pour moi est plus qu'un père. Il m'a montré l'amour que même mon père physique ne m'avait pas montré. En si peu de temps, il a eu confiance en moi. Il a su ressortir en moi des qualités que moi-même j'ignorais. Oh, c'est un homme formidable, c'est vraiment un homme formidable que le corps du Christ devrait connaître, apprendre à connaître vraiment, je vous jure, je peux vous les attester, que c'est vraiment un homme formidable. Et c'est un chrétien, un homme, je suis assez près de lui pour savoir comment il vit chaque jour. C'est un homme qui lit quotidiennement sa Bible. Et si je pourrais vous dire quelque chose qui m'a marqué le plus auprès de cet homme, c'est que c'est un amoureux du Saint-Esprit. Le prophète Joel Francis, je ne sais pas où est-ce qu'il a rencontré cette personne de Dieu, où est-ce qu'il a vécu, quel genre d'expérience il a eu, mais je vous dis que c'est un homme qui aime passionnément le Saint-Esprit. La première fois que j'ai rencontré le prophète Joel Francis, je chantais dans le groupe Les Princesses. Et nous étions en fait à une réunion de l'association des élèves chrétiens où il était orateur. Et c'est un homme qui a vu en nous ce que nous ne voyons même pas nous-mêmes.
il nous a très vite encouragés, très vite pris pour ce que nous étions réellement aux yeux de Dieu. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à travailler en collaboration. En fait, le prophète Joël Francis est quelqu'un qui n'a peur de rien, en tout cas à nos yeux. Il voit les choses en grand, il ose tout ce que les autres n'osent pas, et il ne s'arrête pas devant l'opposition. Et c'est vraiment un homme de courage et un homme de cœur. Et j'apprécie cela beaucoup en lui. Prophète Joël Francis, j'ai toujours apprécié en vous votre cœur d'enfant. Vous n'avez jamais eu peur de vous approcher des plus petits que vous, des plus jeunes, de les encourager et même de croire plus que nous-mêmes en nous. Et j'aimerais que lorsque vous aurez vos cheveux tout blancs sur la tête, puisque vous aurez une longue vie, que vous gardiez ce cœur d'enfant, ce cœur d'écoute du Saint-Esprit, d'écoute de Dieu, de croire dans les autres et de les encourager réellement à entrer dans leur destinée. Je suis très ému et très surpris. Je suis très ému par toutes ces paroles, combien ça me va droit au cœur par les gens de la famille, des connaissances. Et je ne peux que bénir Dieu pour cela. Il y a des choses qui ont été dites sur moi, qui me vont droit au cœur. Je vais prendre ça en grande considération de temps en temps de faire un tour au quartier, car je sens que le besoin est aussi très pressant de ce côté-là. Mais sinon, je suis très ému et très touché. Je vous remercie pour vos conseils et pour ce que vous avez pu témoigner envers ma modeste personne. Merci. Quelle attention accordez-vous à votre mère? Ma mère est une personne très, très importante pour moi, très précieuse pour moi. Non seulement que c'est la personne qui m'a mise au monde, mais ma mère, depuis que nous avons perdu notre père, ma mère, nous nous sommes très rapprochés. Ma mère, donc, c'est ma première partenaire, mon intercesseuse, c'est mon amie. Ma mère, c'est ma confidente. Et je trouve dans ma mère beaucoup de qualités de ce que j'aimerais que nous puissions véhiculer dans notre société congolaise en tant qu'image de ce que doit être une femme dans la société, une responsable, une mère pour les enfants et aussi une épouse pour un mari. Ma mère, c'est une brave femme et qui a un grand sens de sacrifice. Je l'ai vu plusieurs fois, même autrefois, lorsque nous passions par des déserts, par la vallée de Baka, je voyais ma mère vendre même ses derniers pagnes pour subvenir à nos besoins. Et jusqu'à ce que Dieu lui ait parlé, qu'elle m'ait offert à Dieu comme un sacrifice. Moi, je suis naziréen, donc je n'ai plus une autre vie que celle-ci. C'est avec beaucoup de sacrifices qu'elle m'avait donné au Seigneur, sacrifiant tous les projets qu'elle avait sur moi, d'être certainement médecin, ingénieur, mais me laissant totalement à la disposition de Dieu et de l'Église, pour que je ne lui rende pas que des comptes à elle, mais aujourd'hui que je sois rédévable à plusieurs pères, à plusieurs conseillers, à plusieurs mentors et au corps du Christ. Donc ma mère, elle est très particulière pour moi et c'est ma mère. Prophète, quel sport pratiquez-vous? Je pratique la natation, autrefois le basketball, mais j'ai eu peur de devenir, d'avoir la même taille que mon frère Dikembe Mutombo, avec qui j'étais dernièrement ici dans une résidence à ma campagne. Il était tellement long. J'ai béni Dieu de n'avoir pas continué le basket, sinon j'allais être un peu comme lui. Alors je me consacre plus à la natation et c'est la natation que je fais quotidiennement. Et j'espère que cette question va intéresser beaucoup des jeunes sœurs qui nous suivent. C'est quoi la qualité que vous admirez en premier chez une femme? En premier chez une femme, c'est un choix judicieux. Je pense que c'est la soumission. La soumission est l'une des grandes qualités que j'admire chez une femme. Je considère une femme comme étant un être très fort, doué de beaucoup d'énergie, capable de faire beaucoup de choses. Certains disent qu'elle est capable de bâtir une nation, d'autres elle est capable de renverser une nation, même un géant. Nous avons l'image de Adam, de Samson et de tant d'autres qui sont tombés à cause d'une femme. Une femme est un être très fort, bien que très fragile aussi. Et la soumission, sous la mission. Donc une femme soumise est une femme qui est sous la mission pour laquelle Dieu l'a mise ici bas sur la terre. Et une femme soumise, différemment d'une femme qui n'est pas soumise, une femme qui n'est pas soumise est tellement faible qu'elle est incapable de maîtriser sa force. Mais voyez-vous, une femme qui est soumise, elle est tellement forte qu'elle est capable de maîtriser sa force et de la mettre sous l'autorité d'un homme. Donc une femme soumise, c'est une femme formidable. Et ceux qui ont été assez rapides ont pu écrire quelque chose concernant cette réponse. Votre destination de rêve, c'est où?
les îles Seychelles, je crois. Nous vous prions d'ouvrir votre enveloppe et de nous lire ce qui est écrit. Merci. Rubrique Lingua. Bakala dia duenga diena ngolo, point virgule. Bakala diena nzailo uku di kilanga ngolo. Vous avez voilà. Une idée sur la langue? Le kikongo, certainement. Ah, bravo. Merci. Et ce qui est écrit en français ou en lingala, si vous pouvez nous résumer. Aucune idée, vraiment. Alors, c'est un verset biblique, Proverbe 24, 5. La sagesse d'un homme fait sa force, l'expérience augmente son pouvoir. Gloire à Dieu. Merci. Quelles sont vos difficultés que vous, le prophète, vous rencontrez souvent en République démocratique du Congo? Merci. Je dirais trois ou quatre choses directement. La première, c'est ce que le Congolais a défini comme étant prophète. Vous savez, dans notre société, il arrive des fois où pendant une émission ou quand l'on nous rencontre en cours de route, la première question qu'on nous pose, lorsqu'on sait que nous sommes prophètes, on se dit « prophète, Nzamazolo Belaoni Neponanga, prophète, qu'est-ce que dit Dieu à mon sujet ?» Tout celui qui vous voit ne s'attend pas à voir un prédicateur de la parole de Dieu, un homme qui a un message prophétique pour l'Église ou bien pour la nation, pour le temps dans lequel nous sommes. Le Congolais définit souvent le prophète comme étant quelqu'un qui n'a des choses qu'à dire sur votre vie et qui a à les dire à tout moment. Et c'est à cause de cela, je crois, que plusieurs prophètes sont devenus un peu à utiliser, exploiter pour le bien de certaines personnes qui ont quotidiennement besoin d'entendre des choses de la part de Dieu. La plus grande difficulté que nous avons, en premier lieu, c'est le fait que nous ayons été mal définis. Parce qu'un prophète n'est pas un diseur de bonne aventure. Un prophète, c'est un prédicateur de la parole de Dieu, un messager de la bonne nouvelle qui annonce un message, qui est un message prophétique, mais qui peut aussi parler sur la vie des hommes selon ce que Dieu le dit de dire. La deuxième plus grande difficulté que nous avons dans un contexte comme celui de la RDC, c'est souvent la difficulté que nous avons à nous intégrer dans la mesure où certaines personnes qui aiment entendre des bonnes paroles, des paroles qui leur plaisent, se retrouvent devant certains prophètes qui ont des messages assez durs de la part de Dieu. Vous savez, le prophète n'est pas un homme des hommes, le prophète est un homme de Dieu. Et souvent, nous n'arrivons pas à être acceptés parce que le Congolais, l'homme en général, aime entendre les bonnes paroles. Et lorsque vous venez souvent avec des messages durs, on vous taxe d'avoir un message de condamnation. La troisième plus grande difficulté que nous avons, c'est surtout par rapport à certains de nos prédécesseurs qui, eux, ont exposé devant les hommes un certain type de prophète qui est imprévisible, avare, égoïste, corrompu, amoureux de l'argent, manipulateur. Et lorsque vous venez, vous êtes suscité par Dieu dans un temps comme celui-ci, vu tout ce que les hommes ont déjà dans leur mémoire en tant que mauvais souvenir d'un prophète qui les a volé la télévision à la maison ou bien qui a extorqué de l'argent de leur poche. Tout le monde a déjà des retenues parce qu'on se dit « il vient encore comme tous les autres ». Donc, c'est un peu les grandes difficultés que nous avons. Et surtout, dans le corps du Christ aujourd'hui, la plus grande difficulté que nous avons, c'est le fait que le ministère prophétique ne soit pas institutionnalisé. Le ministère prophétique n'est reconnu que dans certains contextes ecclésiastiques. Mais vous verrez qu'il y a des ordinations de pasteurs, des ordinations d'évangélistes. Mais très rare, vous verrez qu'il y a ordination du prophète. Le ministère prophétique est reconnu encore officieusement, mais officiellement dans les cérémonies d'ordination, on ne le fait pas encore. Et moi, je prie que l'État arrive, ou autant que l'on reconnaît le ministère de l'évangéliste et du pasteur, que cela en soit aussi pour le ministère prophétique. Quelle doit être, selon vous, l'aide du gouvernement à l'Église, corps du Christ? Merci bien. Je pense que l'Église est l'allié du gouvernement pour travailler ensemble pour le bien de la population. Le gouvernement devrait aussi s'impliquer dans des aides palpables et tangibles vis-à-vis de l'Église, qui travaille aussi main dans la main avec lui pour faire avancer le bien-être de la population. Quelle est cette phrase négative sur le Congo que vous n'appréciez pas? Congolais, linga, Congolais t'es. Quelle est cette blague qui vous fait toujours rire? Je ris d'ailleurs, avant même d'en parler, ça me revient à l'esprit. Dans l'avion, il y a un homme qui est avec sa fille, et sa fille parle anglais, et lui, il ne parle pas anglais du tout.
Et l'hôtesse qui vient à ses côtés, qui se penche un peu pour poser la question au monsieur s'il voudrait avoir du thé ou bien du café. Et il dit « Coffee or tea, can I help you? Do you want coffee or tea ?» Et le monsieur qui est immobilisé, il a peur de répondre et il regarde sa fille et il dit à la femme, bon, il a bien envie de parler anglais, il a bien envie de parler aussi lingala. Alors il mélange les deux, il dit « Naibitse, tsunae ». Donc on peut dire, je ne sais pas, poser la question. Alors c'est un mélange d'anglais, c'est de lingala avec de l'anglais. Prophète, avant de commencer notre toute dernière rubrique, parce que là, vous n'aurez pas droit à vous expliquer, ce sera juste répondre par vrai ou faux, j'aimerais que nous puissions profiter de ce temps pour que vous puissiez nous parler de votre mission. Merci, ma mission se résume en une phrase, influencer la terre par le réveil de l'Église. Je suis très convaincu par le retour imminent de Christ pour enlever son Église. Je suis très convaincu par... le fait qu'il reviendra, pas pour prendre une église morte, faible et divisée, mais une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et ma mission est celle de préparer alors l'église à ce jour-là, et surtout de préparer l'église à jouer le rôle pour lequel Dieu l'a laissé ici-bas sur la terre, c'est-à-dire, numéro un, gagner les âmes, et numéro deux, influencer la société pour la transformer. Vrai ou faux, prophète Joël Francis est un amoureux du Saint-Esprit? Très vrai. Vrai ou faux, prophète Joël Francis a peur de vieillir? Vrai. Vrai ou faux, prophète, vous êtes le président de MAPRE? Faux. Vrai ou faux, prophète, vous rêvez d'avoir le jumeau? Très vrai. Vrai ou faux, votre rêve depuis un temps est de devenir propriétaire d'une chaîne de télévision. Vrai. C'était un grand plaisir pour nous de vous aider à faire tomber le masque qui entourait le prophète Joël Francis. Alors, vous connaissez maintenant le prix à payer pour devenir comme lui et aussi sa passion, sa mission. À vous également, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Avec votre agenda, ce n'était pas facile, mais vous avez pu accorder un temps à notre agence et nous vous disons merci pour ça. Merci, un plaisir très particulier. Un mot à ajouter? Que Dieu bénisse la RDC, qu'il bénisse sa génération et qu'il vous bénisse aussi. Un très beau concept, très original. Et merci de nous avoir retiré ces masques qui nous cachent souvent derrière des rôles que nous jouons à la télévision et ça et là. On se fixe rendez-vous ou très prochainement sur votre chaîne. Some fine day, will you let me care for you? Why make me wait until tomorrow? Set me free, now let me stand or fall. Don't tell me you don't know. Don't tell me you don't know.